Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour un petit Dota 2 et je viens de Random Broadmother. Donc, Broadmother, avec qui je vais être? Avec un sniper et une Mirana, je sais plus comment il s'appelle lui, et Warlord, Troll Warlord, contre Silencer, Void de Enigma. Spirit Breaker, Sven et Klings. Bon, ça va être compliqué. Ouais, je vais leur acheter le courrier déjà pour commencer parce que je suis un héros quoi moi? C'est un héros agilité. Bon, c'est cool. Ah mince, j'aurais voulu faire un doux là parce que je voulais acheter des tangos. Bon, tant pis, hein. Donc, comme vous le remarquez, c'est la première vidéo où j'inclus une facecam. Alors voilà, j'ai mis un petit chapeau parce que là je suis coiffé comme il faudrait que j'aille chez le coiffeur en fait. J'ai presque plus de cheveux, tout ça. Enfin bon, c'est la loose. Ah bah d'accord. On va faire, c'est quoi, CF9 pour faire pause. Je sais pas s'il va revenir, mais bon. Donc en attendant, Spans Paddlings. Broadmother injects her young into an enemy unit, dealing damage. The Spaddlings will hatch if the target is killed while under his influence. Donc ça dure. Et ça dure combien de temps? Je sais jamais si c'est le cooldown ça. Oui, c'est le cooldown. Spin web. Throws out a spin web that renders one mother invisible. Once passive, one speed free movement and boost regeneration. Ah, c'est bien ça. Bon, on va tenter ce truc là. Et passive, one venom, creep pas d'ennemis unit, causing air attacks, slow. Ah, c'est bien aussi ça. Bon, et on les trois sorts doivent. Les trois sorts sont bien. Hein. Donc là, théoriquement, si je la tape. Et par contre, ah oui, elle se déplace super lentement par défaut. Oh là, 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 oh là. Ah oui, parce que j'ai pas pris de. Bon. Enfin, on va se faire livrer. Ah, on a deux mules. Bah, d'accord. C'est cool. Mince! Hé! Oh là là! Alors ça c'est vraiment le truc à pas faire au début, j'étais en train de parler, je me sentais en sécurité sous la tour mais en fait pas du tout. Et puis là faut vraiment que je prenne mon level parce que j'ai trois. En fait faut absolument que je mette un point sur les trois trucs. Parce que la toile c'est bien, le spawn spawnlings c'est vraiment pas mal je pense. Voilà, donc la toile, parce que la toile ça va me permettre d'être plus ou moins, si j'ai bien compris, invisible et d'avoir de la regen vie supérieure, donc ça va être cool. Ça c'est un passif, hein, ouais. Ah, par contre, j'ai vraiment un DPS de poulpe. Hein. Et j'ai le droit de mettre combien de. Deux web. Oh, bah d'accord.
Et j'ai combien? Ah ouais, ça me fait 2 points de vie par seconde en plus, c'est pas mal. Ah, par contre, ça c'est bien. Ah! Mais combien de temps à devenir invisible? C'est assez long en fait, hein. Et ça, l'infection dure combien de temps? Elle n'a pas l'air de durer très longtemps. Je comprends pas trop comment ça se lit ce truc. Si c'est un CD de 10 secondes, je veux bien, mais. Ouais, bon. C'est pas très précis, enfin, c'est. Ça devrait être mieux expliqué quoi. Tu devrais savoir exactement combien de temps l'influence. Il parle de while under its influence, mais l'influence c'est de combien? On va peut-être upgrader le courrier à un moment donné. Ah, c'est vrai que je devrais désactiver ce truc-là, j'oublie à chaque fois de le faire. Ouais, niveau mana, par contre, c'est un peu compliqué quand même, hein. Ouais, il prend des risques lui, hein. Ça lui enlève combien ça? 150 moins 25% de résistance ou 120. D'ailleurs, je peux lui enlever 100, il a 200. Allez. Allez, ça a spawné ça. Hop là. Niveau mana, c'est chaud. On va se prendre des petites bottines. Ouais, mais niveau regen, je suis vraiment trop secos, ça. C'est la cata. Ah, ouais, et puis là, je peux plus trop. Oh, tu me diras. Et l'ulti, c'est quoi? Instant, a violent lust for vital fluids increase bone marrow attack damage and give a vampiric attack. Oh, c'est bien, ça dure combien de temps ça? 14 secondes. Oh. Non! Ah mince, je comprends pas, j'ai touché le type, mais.
Ah, mais j'ai plus assez de. Ah, il y a des wards. Alors là, je suis obligé de partir. On va déwarder, hein. Alors, où sont leurs rois? À moins qu'ils aient une gemme, mais ça m'étonnerait quand même. Oh, c'est quoi la blague là? Hé! Comment ils font pour me voir? Il a pas de gemme. Et ma ward, ils l'ont tué déjà? Ah donc il la voit. Ah merde. Ça c'est moche. J'aimerais bien savoir où elle est cette ward. Bon, voilà, je vais descendre plus bas là. Ah, elle est là. Voilà. Ah, oh, c'est pas bien ça. On va pouvoir reprendre les choses un peu. Faudrait que je prenne un niveau de plus de web là, de toile, de filet, parce que. Enfin, toile. Oh. On est un héros agi, hein, c'est ça? Ouais. Oh. J'ai droit à 4, ah, c'est bien. 4. Ah mince, 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 mince. Bon, tant pis, on va se le faire livrer depuis. Ah, ils veulent que je prenne un Soul Ring. Ouais. Attends. Je vais me faire livrer, mais avec. Des
Sentry. Ah, ils ont encore pété ma. Eh. Acheter un peu de vol de ville, hein. Hop. Mince. Ah, le mute général, il est bien pourri, hein. Faut se méfier parce que. C'est chaud là. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon machin que j'active pas là, le F. Ah. Là, ils vont essayer de me choper. Ah ouais, ça va être relou là. Je suis obligé de me barrer là. Hein. Pas faire grand chose là. S'il faudrait pas que j'utilise mon premier sort sur des creeps qui est à. Mais sauf qu'il fait beaucoup de dégâts, je trouve, donc. Comme j'ai pas beaucoup de mana. C'est-à-dire combien de temps mon truc, ce que j'ai activé là? 14 secondes, mince. Bon, donc là on a bien push. Ils veulent que j'aille vers un orchide malévolence, c'est ça? Ça s'appelle comme ça ce truc? Ouais. Ben, moi ça me va, je veux bien. Ah! Mince!
Ah, ils nous ont fait mal là, mais j'ai utilisé mon premier sort pour rien. Ah, je sais pas si ça me permettrait de le tuer là. Attends. S'il s'approche trop, je pense qu'il y a moyen. Ah, dommage. Oh, tant pis. J'utilise sur une creep parce que franchement. Ouais, parce qu'elles sont invisibles aussi, les petites araignées, quand elles attaquent pas, c'est top. Bon, par contre, niveau mana, c'est vraiment. C'est vraiment hardcore. Hein. Je vais partir. Il faudrait que j'ai combien? 900. Ouais. Oh, c'est pas mal, remarque, pour farmer. Hop. Mince. Sais pas de combien de temps elle dure. Ah si, il y a la petite petite timer à côté là. On va se mettre là. C'est que alors là par contre au niveau des groupes je sais plus les raccourcis que j'ai, je crois que j'ai pas des bons raccourcis. Je fais toujours avec contrôle d'habitude, mais du coup ça voilà. Pareil, tous les trucs j'aurais pu les acheter sur place, mais bon. Ouais, niveau mana c'est vraiment secos hein. En fait, ça doit augmenter ma régène mana peut-être. Je suis à 2,5 et si je vais sous la toile. Ah non, c'est que la régène vie. Allez là. Non! Oh voilà, ça c'est moi ça. Ah non, il a eu le temps de me livrer mes trucs. Bon, je vais pas dire que c'est bien, mais. Ah, c'est mort là. Ouf. Ouf, je retrouve de la toile. J'ai le droit à combien de toiles? À 6. Ah oui, du coup j'ai acheté un truc là-haut, mais bon. T'es déjà mort moi de toute façon. Ah, t'es obligé d'attendre vachement hein, 30 secondes entre chaque. Ah ouais, donc bon, allez, on va aller regarder quand même les runes. Donc au niveau des tours, en bas on est bon, au middle c'est pas terrible. Ah, donc ils veulent qu'on aille au middle, très bien.
Ça, le cooldown il est bas quand même. Ah non, 45 secondes. Quand même, c'est assez énorme le lifesteal. Putain, on se fait découper quand même. Hein. Au niveau du score, c'est un peu la merde. Eh! On sait pas toujours combien de, pas combien de temps ça dure l'influence du truc là, mais. Hey, pourquoi ils me voient? Ah, ils ont des dust. Aïe aïe aïe. Il y en a un qui a la gemme ou quoi? Attends. J'ai même pas pu voir. Fait mal aux oreilles d'avoir le casque comme ça, hein, sur le. À l'envers, il n'est pas prévu pour celui-là. Oula. Ah, il est mort là. Ah, il joue en team. Ah, c'est lui là qui nous. Le Scepter of Divinity là. J'ai même pas de quoi me prendre un TP. Ah, ils ont une combo late game sauvage hein, avec Silencer, Sven, Klinks. Ouais, Spirit Breaker c'est plutôt early mid game qu'il est bien puissant. Je sais pas trop si en fin de game il est vraiment exceptionnel. Bon, Enigma là il est déco, il est, je sais pas s'il a, il a bien levelé. On sait pas. Quatorze, quatorze, treize, treize, quinze, onze, treize, treize, douze. Hein, je suis un petit peu en retard, moi. Ah, il s'est fait rochant tout seul, le mec. Combien ça coûte une gemme? Je sais jamais, 800, un truc comme ça. Hein. 900. Ça pourrait être intéressant. Enfin, faut que je finisse mon machin avant là, mais. Il manque combien? 450 plus 775, 1225, un truc comme ça, hein, c'est ça? Oh. Allez, 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 faut qu'il meure.
Ouais, vas-y, on va en mettre là, des machins comme ça. Hop là. Ah dis donc, ça, le vol de vie là, il est puissant, hein, l'ulti, hein. C'est dommage de l'avoir cramé un peu bêtement, mais. Oh, il y a le silencer là que j'ai vu. Lui, il est mal. Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui. Ah ouais, il est mal, je savais ça. Leur tour aussi, elle est mal. Alors moi ça va me permettre de faire quoi? Silence target units for 5 seconds amplify the damage it takes. Oh c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est cool. Allez hop! On va push. Non! Pourquoi j'ai pas activé mon ulti? Oh là là, j'ai merdé, je comprends pas, j'ai merdé mes raccourcis là. J'ai pas compris, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû cliquer sur le héros adverse, je sais pas ça, ou ouais, j'ai pas appuyé sur les bonnes touches. Normalement, j'étais même censé avoir lancé mon, je sais pas, j'ai peut-être décalé mes doigts, j'en sais rien. Normalement, j'étais censé le. Le silence, le mec, mais. Ouais, caps lock. Normalement, je faisais caps lock F1. Hein, ouais, c'est sûr que les touches sont pas un peu. C'est un peu relou, quoi. Mais bon. Ah, Butterfly. Ouais. Ouais, je peux pas me TP là, moi. Ah, il est mal, il est mal, il est mal, il est mal. Moi, je veux bien arriver, mais. Ah, il m'a silence. Allez! Ah mince, il a blasté son black hole. Bon, au moins là j'ai réussi à activer mon ulti, mais c'était pas terrible. Ils jouent bien ensemble, hein.
Ce serait cool qu'on pêche ensemble. Bon, lui, il se stuff, très bien. Il n'est pas encore, il n'a pas encore ses bottes. Ouais. Il fait quoi exactement, le sniper? Elle est vraiment tendue la partie, hein. Même si le Void a encore des coups de chez eux, on se prend une sacrée tatane. Hein. Ah, je peux pas monter les deux objets en même temps, c'est pas possible. Je fais souvent l'erreur. Je sais pas combien de temps, combien de d'araignées j'ai le droit de spawn avec ce truc-là. Count for. Je sais pas si je peux genre en faire un paquet quoi. Je sais pas trop. On va voir, on va essayer d'en faire un paquet. Toutes les 10 secondes, je peux en faire. Je sais pas combien ça en fait. 4. Mince. Attends. Ah, je peux pas faire de sort. Ah, mince. Silence pourri là. Ah ouais, mais ils jouent tous ensemble, nous on est toujours... Ah bah on est 5 au tapis, ouais, ok. On se fait découper, mais alors... C'est trop sale. Je regarde pas la minimap, je regarde pas ce qui se passe. Elle va être dure à gagner la partie là. Elle va être, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de TA, elle va être très dure à gagner cette partie. Si tant est qu'on puisse la gagner, parce qu'avec le silencer en face, un peu relou. Non, meurs pas! Allez, vas-y. Non! Bon, au moins on en a mis un ou deux au tapé. C'est quoi le cooldown de ce truc-là? 15, 18 secondes. Moi, ouais, j'aurais pas eu le temps de le lancer deux fois. Cinq, on lutte, hein. Franchement, 36 minutes. Et en plus, ils sont que 4 en face. En même temps, on va pas passer notre temps à attendre un mec qui n'arrivera jamais. Bon, par contre, ouais, ça va pas là. Je vais me faire une gemme, je crois, j'en ai marre. Je vais essayer de déwarder tranquillement. Il est mort.
Attends, on va aller là. On va farmer tranquillement. Ah, ça n'a pas marché. Ah, ça dure vraiment pas longtemps le truc, hein. Ah là, ça marche. Exceptionnellement, je vais faire un TP fontaine là parce que ah mince. Le mute il dure combien de temps? 5 secondes. Waouh waouh waouh. Ah là, ça sent pas bon hein. C'est trop long de pouvoir remettre des... Ah, c'est bien, il push comme il faut, mais... Ah, le silence de zone à un moment où je suis pas en combat, ça c'est bien. Ok. Faut que je fasse gaffe à son black hole à lui là. J'ai pensé à le muter juste avant, de manière à ce qu'il puisse pas me faire son black hole là. Oh mince. Là, on commence à avoir une petite armée d'araignées là, c'est pas mal hein. Elles vont bientôt mourir. Mais... Non, on va push, on va push, on va push. Ah, la tour elle va mourir. Les barracks, normalement.
Ah mince! Ah ouais, mais là, ce silence de zone, il est vraiment hardcore, hein. Je sais pas exactement comment je suis mort d'ailleurs. On va regarder. Qui c'est qui m'a fait mal? Ah, c'est le Klinks qui m'a. Oh là là, je sais pas où il était lui, mais. Waouh! Ah ouais, c'est ça qui m'a. Je comprenais pas comment je suis mort, mais en fait, c'est le Klinks qui m'a. Qui m'a découpé. Ah, le Klinks, s'il a un burst, c'est sûr que. Ils ont pas de bol parce que la partie elle aurait pu être tournée à leur avantage si l'énigma avait pas d'écho. Ah, ce qui est drôle, c'est que je l'ai tué il y a pas longtemps l'énigma. Il a du déco, reco, il doit avoir des problèmes de connexion ou de PC. Bon, bah, dans un sens, hein, tant mieux. Des fois, faut savoir profiter. Hein. Ah, elle est pas encore gagnée la partie, mais bon, là on va dire que ça sent un peu le sapin pour eux, quoi. Ah oui. Là, ils vont mettre le silencer en mode défense là. Ah, c'est dommage, je voulais regarder, il disait regardez mon équipement, regardez mon équipement. Je sais pas ce qu'il a, mais. Ah, il est bien, ouais. Pas mal. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé de ça, bon, c'est pas grave. Allez, 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 allez. J'ai raté, j'aurais dû le tuer avec mon truc là. Voilà. Ah, il est revenu le Enigma, c'est cool. Ah, ça y est, c'est fini. Voilà. J'ai activé mon vol de vie pour rien, mais bon, c'est pas grave. Ouais, et ben Broadmother, intéressant comme héros. La conclusion semble un peu pourrie de ma part, mais je pense pas avoir extrêmement bien joué, hein, ça c'est sûr. Ni même bien joué, j'ai fait ce que j'ai pu. Niveau XP minutes, on est dans le gras du truc. On n'est pas dans les meilleurs, on n'est pas dans les moins bons. Niveau des kills, 7, 6, 8, c'est pas exceptionnel. Je suis pas sûr que ça soit vraiment un carry. Bon, mais par contre, c'est un héros. C'est intéressant à jouer. C'est pas facile, hein. Il y a plein de trucs à gérer en même temps. Mais probablement qu'il faut utiliser plus tôt le premier sort. Et sur des creeps, en fait, assez tôt. Pour avoir bah, plein de petites araignées. Parce que pour farmer, ça doit être pas mal. Aussi bien pour prendre de l'XP sur les creeps qu'on tue via ce machin-là. Et en plus, éventuellement sur la jungle avec quoi. Voilà, bah en tout cas j'espère que ça vous donnera envie d'essayer ce héros. Moi je trouve que c'était marrant et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ciao.